parti. Let's go. Alors... Ah, j'ai une petite survie juste ici. Et j'ai une box, nickel. La survie avait... Là, j'ai la boîte là, c'est parfait. Ça demande pour le Red Worm. Il est où? Il est là. Et la zone, elle est... Là. Oh, je suis pas mal. Oh, je peux peut-être tenter les... Eh, si je suis bon, les gars, je fais 10 armes. Faut vraiment être bon. Le cerveau de Molo a crash. Vous savez que cette harmonica, je l'avais acheté sur une... Sur une soirée qui avait mal fini en stream. Je me souviens même pas l'avoir acheté, les gars. C'est bon pour vous? C'est le chat qui me l'a dit. J'ai reçu le colis. Je l'ai montré en live, j'étais en mode pourquoi j'ai reçu ça? Est-ce que quelqu'un l'a commandé, il me l'a envoyé ou quoi? Et non, ils m'ont juste rappelé que c'est moi qui l'avais acheté en fait. Mais j'étais tellement déchenillé que ben voilà. Voiture marquée. Eh, je crois que c'était le soir où je suis tombé de la chaise ou un autre soir, je sais plus. Je sais plus, mais ça remonte. Chaise tout court, je crois, Evil. Ouais. Bon, mais t'es Winnie ça? Non. J'ai vu le clip de la chaise il y a 10 minutes. Ah! T'étais bien sur ce clip. Ah ouais. Un peu ouais. Voiture marquée. Un peu trop. Si t'avais 24 ans. J'en ai encore des séquelles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une soirée comme ça, les gars. Une petite soirée de beuverie là. Parce qu'au nouvel an j'en ai pas fait. J'avais dit que non, on resterait soft. On est resté soft. J'avais pas mal de fatigue et tout, je voulais pas. Je voulais pas. Hop. Et comme ça, j'ai un full inventaire de pop 3. La voisine ne veut plus faire attention. Ouais, l'autre fois, ouais, elle m'a dit. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. De faire gaffe, je sais plus quoi. Bon, après, ça va, une fois de temps en temps, tu vois. En vrai, ça fait des années qu'on l'a pas fait. Même sur DMZ, je crois qu'on n'a pas fait ça. Hein. Et de toute façon, depuis cette fois-là que je suis tombé, j'ai pas repris de vraies cuites. Hein. Voire quasiment pas bu. Mais ça remonte, hein, ça fait. Ça va faire 3 ans là en mars. Donc ça remonte, hein. Pour vous dire. Ah, ça m'avait tellement calmé. Pas mal la chaise, hein. Il y en a plein qui m'ont pas vu. En plus des problèmes de connexion mais de son. Alors en gros, pour la petite histoire, pour ceux qui découvrent le clip là, vu que vous êtes pas mal à le découvrir. En gros, c'était, on était en semaine, on était un mardi, je m'en rappellerai toujours, hein, même s'il y a bientôt 3 ans. On était un mardi, et c'était mon anniversaire, c'était le jour de mon anniv, tu vois, c'était le 16 mars du coup. Et les gars me chauffent un peu pour faire un truc, et je leur avais dit que non, c'était samedi qu'on le fêtait, tu vois. Je voulais pas le fêter en semaine, parce que bah la semaine, les gens bossent, tout ça, tu vois. Mais au week-end, j'avais prévu une petite soirée sympa, tu vois. Pas trop de jeux vidéo, surtout des petits jeux à droite à gauche. Comme on a fait un peu au Nouvel An, si vous voulez. Et au final, bah, en fait, ils m'ont pris en traite en plein milieu de l'après-midi. C'est parti sur du un shoot, un sub ou un truc comme ça, tu vois. Il y avait, je crois que c'était 5€ un shoot, 500 bits un shoot et un sub un shoot. Un truc comme ça, tu vois, du genre... Et bon bah on s'est chauffé un peu et un peu trop et c'est un peu parti en couille. Et il y a eu un soutien de fou, tu vois. Les gens ont pas arrêté, j'ai enchaîné les shooters, les machins. Et en gros j'avais une AK en verre avec du whisky dedans. Et du coup bah c'est ça qui a servi à faire les shooters. Il y avait 2 litres dedans et j'ai bu quasiment les 2 litres, il restait à peine 20 centilitres, un truc comme ça.
Donc t'imagines 2 litres de whisky pur en shooter, comme ça, en après-midi, bah en 3 heures j'étais flingué. C'était sur 3 heures à peu près, j'étais flingué. Début de soirée j'étais flingué et ça a donné ce qu'on voit. Ah, bah let's go. Déjà une. Ça a dû faire mal après, ouais ça fait très mal parce que... Avant en gros, si vous vous demandez pourquoi je tombe de la chaise, c'est parce qu'avant, à chaque soutien, on sub, beat, sous don, on twerkait. C'était une façon en plus de remercier, tu vois. Et maintenant je le fais plus parce que la chaise a l'air chimorte. Cette fameuse chaise que vous voyez... Merde. Ouf. 99, j'ai eu chaud. Cette fameuse chaise que vous voyez dans le clip, elle est morte. Donc c'est fini, on le fait plus. On le fait plus depuis bah, mars dernier. Je l'ai fait quand même pendant genre 3 ans. Et du coup, bon bah là forcément ça a tangué quoi. Quand t'es assis et que tu montes, c'est jamais trop bon. Et puis bon bah là, à force avec la fatigue et tout, je suis tombé. Mais l'histoire s'arrête pas là. L'histoire c'est que je suis tombé sur un meuble bas. Un petit meuble bas, je suis tombé sur l'angle, sur l'arête du meuble. Et j'avais toute une partie de mon dos. Vous prenez votre dos, vous savez, il est coupé en deux par la colonne vertébrale. J'avais toute la partie gauche, je crois, ou droite, je sais plus, bref. Qui était toute noire, je me suis explosé le dos. Juste après ça, j'ai coupé le stream. Je suis allé me poser, j'avais faim, impossible de faire à manger. Je me suis assis dans le canapé, j'ai dormi. Je me suis réveillé à un moment donné, j'ai dégueulé et je me suis rendormi. Au matin, je nettoyais ma merde. Et voilà. Moralité, faites attention. Pas forcément, bah ouais. Mais j'aurais pu me niquer hein. Je serais tombé sur la nuque ou un truc comme ça, vraiment je serais peut-être plus là aujourd'hui hein. Oh Nuka, la dinguerie, les 10 sub gift sur Kick, merci beaucoup Nuka. Merci pour le soutien BG. Tu peux répondre en privé, envoie-moi un DM sur Discord. Je répondrai quand j'aurai le temps. Moralité, limitez-vous à 1 litre 5, pas 2 litres. Non, mais la moralité, c'est qu'il faut faire attention et voilà. J'ai pas pu stream pendant 2 jours après, hein, à cause de mon dos noir. Hein. Je pouvais pas m'asseoir. Et les jours suivants, j'ai stream, mais j'avais mal au dos. Hein. J'ai vraiment pas bien. Moralité, restez assis. Non, mais ça va vite, tu vois. Je me suis fait chauffer. Bah, je me suis chauffé aussi. Hein. C'est pas que le live qui m'a chauffé en vrai. Hein. Je me suis chauffé aussi. Et puis en fait les gars, ce qu'il y a c'est qu'on fêtait plein de trucs tu vois. C'était mon anniv. On fêtait les 1 an et demi de la chaîne. Ce jour là on est passé partenaire aussi. On a eu de la chance d'ailleurs qu'ils nous acceptent. Parce qu'ils ont vérifié, ils ont examiné la chaîne. Ils ont vu ça. Et sur Twitch t'as le droit de boire tout ça. Mais t'as pas le droit de te montrer sous les effets de l'alcool. Et je pense que bah les effets on les voyait bien là. À moins qu'on voyait trouble à moins que c'est un effet un effet d'optique je sais pas. Mais on a l'impression de les voir. Et ouais, du coup, il y avait pas mal de choses. Hein. Si vous regardez le clip, il y a des trucs de zinzin. Le Daily Sub Goal, il est à 39 sur 45. Il y a des trucs de fou, il y a des rêves de zinzin partout. Enfin, si t'examines tout, c'était une soirée de fou. Modo Twitch, lui, en même temps que toi. Ah, je sais pas, mais. Parce qu'en gros, quand on fait la demande de partenariat, ils examinent la chaîne. Pendant 30 jours et ils examinent tes derniers contenus tout et voilà voir si te l'accordent. Ils nous l'ont accordé. Et voilà. Et je me suis pété la gueule comme ça devant 135 personnes. J'ai dû regarder ma propre rediff de live pour savoir ce qui s'était passé. J'avais un trou noir. Putain, ça va vite les armes. Quand on discute on voit pas le temps passer hein. J'espère que la survie va pas s'arrêter, merde. C'est un petit peu loin. Ça s'arrête pas, c'est nickel. Donc voilà. Ça marche, merci, pas de soucis. Voilà la petite histoire. Sacrée histoire, hein. Allez, une arme MW2. Là je perds du temps, il aurait fallu que je switch déjà en gardant une arme.
Enfin les armées double 2 on les trouve plus trop hein. RPK je l'ai fait. Tu vois le spawn n'arrive plus, je crois que ça c'est ça a des pop. Bah merde. Ah quoique, ça arrive. Ral j'ai fait aussi. On retrouve tout le temps les mêmes armes ou quoi? Check. Donc là sinon la solution c'est de looter des caches. Sur les armes au mur il y aura pas les armes W2. Mais là ouais je perds un temps fou là. Vous voyez c'est une DM56. MW3. Je vais aller voir si ça a des pop. Ah ça a l'air d'avoir des pop. Ouais, ça a des pop. Je me suis trop éloigné. Tant pis. Eh bah vu que ça a des pop, ce qu'on peut faire c'est partir ailleurs. Là il y a une survie mais il n'y a pas de boîte à côté. Là il y a une survie et une boîte là. Elle est un peu loin. On va refermer la boîte, hein. De toute façon il me faut des armes. Même pas respawn. Ah celle-là respawn pas hein, j'ai l'impression. Ah si, ok. La survie tout en haut à droite et puis la merde. Ah ouais. Ça marche. Et j'ai l'impression qu'on trouvait beaucoup plus les armes W2 avant dans la boîte. Là c'est compliqué. Je me rappelle quand je faisais les armes MW3, je râlais un peu, je disais bah putain on trouve que les armes MW2. Un peu abusé. On trouve même pas les nouvelles armes. Et du coup je râle encore mais pour l'inverse. T'es dans les débuts là, imagine pour être dernières armes, bah je vais relancer des games hein, pour aller plus vite hein. Vu que là déjà ça a du mal. On va aller faire la boîte là-bas. La survie là, je sais pas où est-ce qu'elle pop. On dirait qu'elle pop là, normalement c'est ici qu'elle pop là. Je vais la prendre. Quand même, ça m'intrigue. Tu vois, on voit que les mêmes armes. Salut Gab. Ah, la home fencer c'est MW2 non? Je sais même plus. KVD. Quelqu'un sait? Non, MW3. Ah merde. C'est quoi Ant Légion? C'est notre OP du moment. C'est notre OP du moment, c'est un petit jeu mobile. Si jamais tu veux le télécharger et faire les 3 étapes, tiens, je te donne le lien. L'objectif c'est d'atteindre l'arène niveau 5. Ensuite de rejoindre un ralliement d'attaque, donc une attaque groupée dans le clan. On a plein de clans. Il y a plusieurs serveurs mais on a plein de clans. Et de débloquer la fourmi orange, donc ça c'est un petit peu plus long. Les deux premières étapes ça se fait en 15-20 minutes. Et la dernière c'est un petit peu plus long par contre. Petit OP mobile. 4 j'ai déjà fait, mais on voit tout le temps les mêmes armes. Je suis en train de la monter là. Ok. Abusé.
C'est vrai qu'il n'y a pas de boîte du tout ici. Hein. Je vais aller prendre la survie pour voir. J'ai oublié de cocher sur l'appli, purée. On a fait quelle arme? C'est au niveau des AR. C'est à cause des coupures internet, ça, j'ai oublié. Camo tracker. Hop, MW2. Bah y'a une boîte à côté. Oh oui putain c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas faite celle-là. Je l'avais fait dans les débuts du jeu. Incroyable. Y'a souvent des boîtes quand même à côté des survies. Comme si c'était fait exprès pour survivre, tu sais. Ça me fait penser à Cold War, les survies étaient dures et... C'était une galère de survivre. Oh la Cast of 62, putain on l'a fait juste avant, c'est dommage. C'était looté en plus. Ce qui est bien c'est que la boîte est là, du coup ça dépopera pas. Là je peux rester toute la game ici là, tu vois. C'est ce qu'il faut essayer de trouver en fait, à une boîte vraiment à proximité. Basilic. Ah non on l'a fait. Je sais plus. Tac V. Tac V on l'a fait, c'est sûr. Alors, Cast of 762, je valide. Cast of 545. On a fait. Allez. Pistole. Basilic, ouais, on l'a fait. Oh, c'est toujours les mêmes armes. Juste que Kiki valide ma demande pour faire un aliment, ça marche. Ouais, Killer il a créé plein de clans sur les différentes. Sur différents serveurs. En fait, c'est ça les gars, il y a différents serveurs. Il y a déjà 3-4 serveurs différents là. C'est limité, tu sais, le nombre de joueurs, c'est pour ça. Ça marche, bah Killer va faire une session là. Est-ce que t'es là, Killer? Putain, j'en ai même pas une. Tu vois, je perds tellement de temps. J'aurais déjà pu faire une arme largement. Tant qu'ils reviennent, on va les looter. Ok, ça marche, Killer. Allez, go. Retournez près du DNP. N'hésitez pas vivre dans une autre dimension. Bah, y'en a qui ont joué à Warzone ces derniers jours là. Voir si on le ressent bien le nerf de la MTZ. Interceptor. Non mais c'est que les mêmes armes, hein, vraiment. Un truc de ouf. À croire que t'as des armes qui y sont pas. T'as plus souvent les armes miracles même que certaines armes.
quelqu'un dans le distributeur, il disait que non. Non, on le sent pas. C'est pas assez violent. J'ai pas vu une seule fois. Ils ont nerf l'idée de la nerf apparemment. Bah pourtant sur le papier les dégâts ils ont bien été réduits hein. Ouais j'ai vu ça Théo. J'ai vu ça ouais. Il l'appelle déjà le remplaçant de la MTZ. Bon après je sais pas si c'est facile à mettre les balles aussi hein. SO 14, je suis sûr que je l'avais fait aussi. Je vérifie. Hein. SO 14, c'est fait. Document confidentiel. Salut Carnage, comment tu vas? Ouais, je fais quand même nous les deux. Ah, du moins j'essaye. Hein. Mes armes tombent plus là. Ah, fais chier. Encore un coffre? Ah, et non. W3. Non, je l'ai pas perdu. Oh, j'ai une coupure internet. Bah, du coup, c'est comme si t'avais utilisé un Alt+F4. Ah, mini back. Ça, c'est pas fait. Nickel. Du coup, là, l'idée, c'est de prendre les kills avec la mini back. Mais pas d'aller farmer sinon je vais la finir en 2-2. Et de continuer à faire la boîte. Oh. Ah non, le magma je l'ai déjà fait. Magna. Je crois que je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. C'est le normal que j'ai pas fait. La mini-back c'est énorme, j'ai toujours kiffé son rechargement. Regardez, j'adore comment ça recharge. Tu vois ça, genre ça claque. Tu mets le chargeur en dégageant. Tout en dégageant l'autre. C'est une animation que j'ai toujours kiffé. On va monter le pourcentage pour que ça spawn plus. Faut juste que tu fasses bouton PS fermer le jeu sur Nixie normal. Carnage. Si tu te fails, c'est pas grave. Hein. Tu feras une pierre. Tu le fais quand l'hélico monte et puis c'est bon. Ça ira pas. J'y vais. Si tu veux le tuto du glitch de Dupli, il est là-dedans. Si tu l'as jamais fait, dans cette vidéo.
Ouais c'est ça, bah t'es large de toute façon pour le faire sur play hein. Que l'hélico monte ou se stabilise tout ça, ça fonctionne. Comme les actes ouais. Ouais Théo. Bon moi ça va, c'est une habitude que j'ai pris. J'arrive sur le jeu, attends un instant. Yes, vas-y killer. RPK, RPK, y'a que ça. Le sab, 50-50, c'est pas fait. Nickel. Donc là l'idée, hop, vu qu'on a deux armes, c'est d'aller enchaîner les petits kills. Et on reprendra la boîte après. Je vais pas faire beaucoup d'armes en vrai, hein. J'ai perdu pas mal de temps. Hop. On va le stopper. Pas trop mal le spawn ici. Pas mal de cabots. Je vais très vite la finir l'arme. On fait du bruit. Ah, attendez, je baisse un peu, my bad. C'est vrai qu'elle a pas de silencieux. Ouais, c'est sûr, Théo. Bah, le stock est là en rab s'il y a besoin de. S'il y a besoin un jour, tu vois. C'est deux choses différentes. Oh, GG, une fourmi. Ah non, on rejoint un ralliement. Bien vu, y'a Killer qui lance les gros, les attaques de clan les gars. Faut juste le rejoindre et hop. Alors si vous voyez pas d'attaque c'est qu'il est pas sur votre serveur. Rejoignez déjà les clans, mal au corps. Et ensuite il changera de serveur hein. Désolé pour le contre-temps, ouais t'inquiète. Et voilà. Une arme de fête. Il me reste plus que le sab. Et du coup comme il me reste plus que le sab, bah on va déjà commencer à farmer. Vu que ça a du mal à tomber. Le guardian j'ai déjà fait. Ah ouais, killer. Je vais me mettre là. Essayer de faire. Voilà, de traverser. La cadence est un peu faible. Elle est un peu mal équipée. Ça aussi, il y a des tables de craft pour changer les équipements comme le DMZ, ce serait vraiment trop bien. C'est de l'ajout qu'ils peuvent faire dans des maps comme ça.
Oui, Carnage, mais bon, justement, il faudrait qu'il nerf ça. Le fait que tout le monde donne de l'argent à tout le monde, des schémas, des machins, fait que ça détruit le jeu à la longue. Ça change le comportement des joueurs, les gens n'ont plus rien à faire. Ils finissent le jeu alors qu'il y a des trucs qu'ils ont même pas découvert, ils savent même pas créer le portail secret. Pour aller en zone 4 et 5. Ils savent même pas qu'il y a une zone 4 et 5, enfin ce genre de choses quoi. Ouais, la rareté, si, ouais, comme j'avais dit. Après, la rareté, oui et non, ça dépend. S'ils améliorent le stuff, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien de laisser toujours une difficulté, mais améliorer un peu le loot, quoi. Et tellement de trucs d'MZ qui auraient été bien sur le zombie, ouais. En espérant qu'ils ajoutent au fur et à mesure, tu vois. Et qu'ils ajoutent aussi des nouveautés. On veut du new aussi. Non, les gens drop le million par terre juste avant d'Alt F4 pour faire crash le serveur, faire full lag. Ah bon? J'ai pas encore eu ça, moi. J'ai dû tomber dans une game bizarre. Un crâne, une clé USB et un bandage pour faire une clé légendaire. Ah ouais, le système de troc serait bien. C'était un bon ajout sur sur DMZ. On a tous kiffé ça. Vu, on voit tout le temps les mêmes armes passer. Et Maker. Allez. Oh, 3 boîtes, c'est tout. La Holger, c'est l'arme qu'on voit le plus sur les murs, hein. Vraiment. On pourrait mettre le stockage illimité, ça serait déjà pas mal. Non, 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 surtout pas. Ça détruirait le jeu. 10 en legit, c'est pas ouf. Non, non, faut le mettre à 30 le stockage, c'est bien, mais pas illimité. Hein. Et pas plus de 30. Sinon ça revient au même hein. Tu sors tellement de stuff, t'as full stuff tout le temps. Ah non, faut des limites. Faut pas que t'en aies trop non plus. Y'a des mecs qui vont se mettre à stocker les schémas en boucle, les objets en boucle. Laisse tomber, à chaque sortie de contenu, c'est comme si t'avais une pierre tombale après. Alors, il va quand même le faire. J'ai regardé un truc sur une WZ, j'ai vu un commentaire. Je devrais remettre un système de gilet. Or que bon, un gilet médical, c'est l'atout, self revive. Et les autres pas utiles pour le zombie. Non, il n'y a pas d'utilité. Ah, l'ajout des gilets c'était une bonne chose sur DMZ, hein. Tellement bon qu'ils l'ont mis sur Warzone. Hein. Mais là pour le zombie ça sert à rien du tout. Les atouts sont là pour ça justement.
Et du coup faudra mettre d'autres trucs sur les gilets. Mais vas-y, ça faciliterait trop aussi, faut pas trop faciliter hein. Putain, j'ai déjà 3 lasers. Les gens veulent beaucoup de facilité mais il en faut pas trop hein. C'est ce qui détruit les jeux. Déjà quand tu vois qu'au bout d'une semaine ils avaient déjà facilité la zone 3, une ou deux semaines je sais plus. Ils avaient nerf la zone 3 pour la faciliter. Oula ça lag là. Oh, des éclatements. Bon bah j'ai bientôt mon arme en or et j'ai pas d'autres armes. Ça a du mal à tomber. Ouais Winter, de fou. De fou, de fou. Mais là il y en a de moins en moins en zone 3 hein. Genre regarde, tu vois c'est vide là encore. Bon après là on est sur une petite fin de game mais... Mais on en voit de moins en moins quand même. Et voilà. Et on va reperdre du temps parce qu'on n'a pas d'autres armes. Qui est bien avec les armes de la boîte, c'est qu'au moins t'as direct une rareté. Par contre, les armes W2 là, ça tombe pas. Hein. Petite question, à quoi sert le livre? En cuite scellé. Mimoun, c'est pour faire le portail secret pour aller en zone 4 et 5. Tiens. Dès il y a du tuto. Je suis tombé sur un gamin, il devait pas avoir plus de 12 ans, il pleurait parce qu'il galérait en zone 3. Et ensuite rigolait. Un drop de l'argent. Non. Elle est jeune hein. Donnez-moi une arme, donnez-moi une arme. Ça Winter. Bon, ça dépend de l'encadrement après. Bon. Bon, 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 4 minutes, la zone est loin, mais je pourrais encore faire 2 armes si ça tombe.
Parce que là j'en ai fait que 4 hein, je crois. Non 5 peut-être. De rien, Mimoun. Avec plaisir. Choc pour les autres armes, je vais m'extraire et relancer. Hein. Ça ira plus vite. Hein. Parce que là c'est long. Hein. En plus à partir de 51 je pourrais faire les deux camos en même temps. Le spinel et l'arachnide. Ça va et toi? Bienvenue. Allez. Bordel. Oh, dernière botte que je fais, je m'extrais sinon. Killer qui lance des ralliements les gars sur l'OP si vous voulez. Ouais vas-y je me casse, ça me saoule. Je suis full pop 3, je m'en suis pas trop servi. On termine les 50 rennes. Ouais, en vrai, vous pouvez les finir aujourd'hui. Hein. Hier, vous avez bien avancé. Ça va vite en plus à faire les rennes. Salut du Québec. Salut, salut. Comment tu vas? Y a un véhicule ici. Je check pour le 285 pour les nouveaux. Ah. Ouais, il faudrait stop la killer. Pour tous ceux qui vont créer un... qui vont commencer l'OP là, killer va refaire un clan sur le nouveau serveur. Toujours mal au corps, comme ça vous vous trompez pas. Je sais pas Noah, je l'ai pas test. Comme il a été débugué que là récemment, je sais pas, je l'ai pas encore testé le kit. Je parcours ton Discord un peu, j'ai de quoi faire. Ouais, il est complet hein. T'as les catégories info, les salons de discussion, le salon de recherche de joueurs. T'as la catégorie de Twitch. Plein de trucs. Thank you.
Il y avait du monde, hein. Allez, let's go. Tu lanceras TikTok? Ouais, j'attendais de refaire une game.